J'ai connu l'IGR à travers mon fils qui a fait une partie de ses études. Et lorsque le directeur Laurent Bironneau m'a approché pour rejoindre le conseil d'administration, j'ai accepté, bien naturellement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être devenu le président de ce même conseil d'administration. En tant que chef d'entreprise, j'ai un vrai intérêt à participer à la vie de l'IGR, où je retrouve cet esprit d'entreprendre, cette volonté du travail bien fait, cette appartenance à un territoire qui permet de côtoyer plus régulièrement des étudiants qui, demain, vont construire leur vie. En rejoignant le conseil d'administration de l'IGR, j'ai souhaité participer à cet esprit d'entreprise, voilà, pouvoir moi aussi apporter ma pierre à l'édifice et partager avec les enseignants, avec les étudiants, cette volonté de faire, cette opiniâtreté, voilà, qui est une des caractéristiques de notre territoire, la Bretagne. J'ai beaucoup de très bons souvenirs à l'IGR et je crois que mon meilleur souvenir est la rencontre que j'avais organisée entre Xavier Pontanet, président du groupe Essilor, et de jeunes entrepreneurs de la région. Cette proximité entre un grand patron du CAC 40 et ses futurs chefs d'entreprise était vraiment un pur moment de bonheur. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est impliquez-vous. Vous avez la chance d'être dans une école extrêmement dynamique et plus vous donnerez, plus vous recevrez.